Hey, ça faisait longtemps. Yo les crocs, c'est Toshikro et bienvenue aujourd'hui sur un petit horror game. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça fait environ un mois que j'ai pas fait de vidéo sur Horror Game. Je me suis plus porté sur les lives depuis un mois. Mais je me suis dit, faut pas déconner quand même, Toshi, ça fait un mois que t'as pas fait de vidéo. Faudrait peut-être t'y remettre. Alors pour l'occasion, les crows, j'ai choisi un petit horror game qui est sorti déjà il y a un moment. On va pas se mentir. My Last Friday. Je ne connais pas du tout. Je sais que c'est une démo. Le jeu n'est pas encore sorti, je pense. Allons-y. On se réveille dans les chiottes. Il y avait un monsieur à la hache. Ok, on se réveille. On se réveille. Let's go! On se réveille donc dans une salle de bain. C'est très bien, c'est très bien. La seule chose que je sais dans ce jeu, les crocs, c'est qu'il va y avoir pas mal d'énigmes. Et vous connaissez Toshi et les énigmes, c'est une grande histoire de haine, pas d'amour. C'est plus une grande histoire de haine. E to interact. Ah, il y avait la clé derrière. Ça commence bien. Première énigme. Très simple. Ok, donc la clé permettait d'ouvrir la porte de la salle de bain. Punish them with pain. Punissez-les avec du pain. Bah, j'ai pas de pain sous la main, tu m'excuses. J'ai que des canettes de coca. C'est ouvert ici, ouais. Coucou! Alors, on a un code ici. Va falloir choper un code, les gros. Donc, ouais, j'en sais pas plus sur l'histoire. On est juste dans un appartement. J'allais dire, on est juste dans un appartement bah, complètement seul. Mais a priori, non. On a un compagnon de cellule. Oh putain, il a un couteau d'agrafé. Dans sa main. Ok, donc il a pas de tête, il a pas de pied. Si, il a un pied, mais il a pas l'autre pied. Ok. Bon. Bah écoute, mon pote, j'espère que tu vas rester à ta place gentiment. Hein, parce que je connais les gars dans ton genre, dans l'horror game. Je sais très bien que si t'es là, dans genre 15 minutes, tu seras plus là. On fait attention, les crocs. Ok, fermé, ouvert. Attendez, ça devait être le bras du... Bah ça devait être le bras de notre compagnon de cellule. Ça devait être son bras. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Une porte, it's locked. Danger. Ok, c'est danger. Des boutons. Alors il y a des boutons clignotants et des boutons plats clignotants. Donc du coup, si j'appuie sur tous les boutons clignotants, ça ouvre la porte. Ah, je suis très content pour l'instant. Toujours pas bloqué. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Who is the turn face now? Ah, on a retrouvé la tête de notre compagnon de cellule. Dans les chiottes. Ouvre pas les yeux. Hein. Ouvre pas les yeux, espèce d'enfoiré. Hein. Alors, ici ça doit être un... C'est quoi ça? Un moteur? Ici ça doit être un code. 3, 5, 7, 2. Je vais noter. Non, je déconne. Je vais quand même réussir à retenir ce code, je pense. 3, 5, 7, 2. 3, 5, 7, 2. C'est parti. 3, 5, 7, 2. T'es toujours là, mon pote? Dis-moi que t'es toujours là. Ouais, c'est bien. 3, 5, 7, 2. Donc, ça doit être ici, du coup. 3, 5, 7. Yes! T'es toujours là, hein? Ouais, c'est bien. J'ai tellement pas confiance en lui. Bon, bah écoutez, Cross, bah continuons, du coup on va descendre. On dirait que c'est une maison à plusieurs étages, écoutez. It's locked. It's open. Ah, un ascenseur. It doesn't operate. Cet ascenseur ne marche pas. D'un côté, tant mieux, j'ai la phobie des ascenseurs. Ah, pick-up lever. On a chopé un lover. Death is gonna set them free. La mort va te rendre libre. Eh ben, je peux mourir maintenant si tu veux. Hein. Y'a pas de problème. Hein. Bon,
À quoi donc sert ce putain de levier? Est-ce que tu peux me répondre? Non, t'as pas une petite idée? T'as pas une petite idée derrière la tête? Sûrement le... Oui, le moteur, c'est ça. Putain, c'est ça. Yes. Oh putain, le génie. Oh le génie! Ok, du coup, ça a dû alimenter l'ascenseur. Allons-y. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Bon, il se passe pas grand-chose, on résout plus des énigmes que d'avoir peur, mais ça reste très intéressant. Putain, c'est quoi cet ascenseur rempli de sang, là? Qu'est-ce que vous avez fait, les gars, là-dedans, là? Ok, on a chopé un tournevis. Ah, va falloir peut-être dévisser son bras pour prendre son... Je le savais! Putain, je le savais! Justice. Oh non, mec, non, il est plus là, non! Bon, le truc positif, c'est que nous avons un tournevis. Et avec ça, les crocs, on peut en faire des choses. On peut en planter de la chair, hein. Croyez-moi, hein. Putain, du coup, je vais flipper, c'est-à-dire qu'il est en train de se balader dans la maison, là. Attends. I need to remove the... Ah, d'accord. Bah, du coup, vas-y. Tournevis. Ok. C'est très long, sinon ça va, vous, les crocs? Vous passez une bonne journée? Ah. Let's go. Oh putain, je crois qu'on va encore avoir une énigme, attendez. C'est énorme, on va encore avoir une énigme. Alors attendez, déjà on a un code ici. 1 plus 9 plus 9 plus 6. Ok, on peut faire des plus, des moins, des divisés, des soustractions, d'accord. Bah. Dans ce jeu, on apprend les mathématiques, les crocs, c'est plutôt enrichissant. Hein. Alors, 6. Putain, déjà que je suis nul en anglais. Alors déjà, les énigmes, je suis pas doué. Mais alors, quand l'énigme est en anglais, c'est un autre level. Hein. Alors, 6, minus with an extra stroke. Un moins avec... Stroke, je crois que c'est barre. Un moins avec une barre en plus. Un x sit at the end. Ok, le fois est à la fin. Le x est à la fin. Who is one the middle sit? I don't remember that. Ok, se souvient pas de celui du milieu. Ok, donc, logiquement. Allez, faut qu'on la réussisse du premier coup, celle-là. Alors, le premier, donc, moins avec une barre, donc un plus. La dernière, on a dit que c'était un x. Voilà, et la celle du milieu, il s'en souvient pas. Du coup, on va faire au pif, jusqu'à ce qu'on va retomber dessus. Non, j'avoue, elle était pas dure. Ok, j'avoue, elle était simple. Pick up the key. Oh oh. J'ai entendu quelqu'un. Merde. Ah 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 ah. Oh, oh putain. Oh putain. Oh putain. Non, 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 non. Regarde, reprends ta tête là. Comment tu fais pour me voir d'ailleurs? Reprends ta tête. Reprends ta tête, salopard. Ah, mais c'est con. Oh, je te baise. Je te baise. Viens là, salopard. Viens là, salopard. Mais comment il fait pour me voir? Y'a pas de tête. T'as pas de tête. Oh, mange-toi ça, enculé. Dans ton cul. Dans ton... Oh putain, oh putain, la vache. Oh là. J'ai un peu trop fait le malin, là. Ah, du coup, la porte s'ouvre, c'est cool. Ah, mais j'avais pas vu, il y avait un couteau dans l'armoire. Ok, bah au moins, je suis armé, maintenant. Espèce d'enfoiré, ouais. Oh, putain. T'étais censé être mon compagnon de cellule. Putain, je t'aimais bien, hein. Du coup, on avait récupéré la clé, je crois. Bah, du coup, la clé sert sûrement à aller dans l'ascenseur. À alimenter ce putain d'ascenseur. Oh, putain, salut, toi. Attention, j'ai une arme. Fais pas le malin. Hey Jeffrey, I hope you haven't forgotten that is Friday. You know the day of the senior porn prom. I'm not Geoffrey. My name is Howard. Salut Howard. Oh, sorry. I took you were my best friend Jeffrey. Bah écoute, je pense que ton meilleur ami Jeffrey a perdu la tête. It's okay.
And what about you? Are you going to the prom? Porn? I hate porn! Oh, no worries. Me and Jeff Heiser, we go there online to get drunk and log on as a idiot. Who thinks that this is gonna be the greatest night of their life? So, do you wanna join us? Ça a l'air bizarre comme fête, hein, quand même. Je te cache pas que je suis pas très chaud. Merde, j'ai répondu oui! Oh, le con! Ah non, mais non! Non, mais non! Ah, mais non! Est-ce que tu connais le garçon restroom in the school on the second floor? Alright. Oh putain. What? Cool, ouais! Ouais, 19h30, on va aller tuer un innocent, ouais! Oh putain la vache. C'est fini du coup? Alors, on rentre la clé du coup, attendez. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Oh putain! On a fini! My Last Friday, Design and Programming, Gobor, Dandor, Dandar, Musique, Sam Oz. Et on n'a pas de date de sortie. Ok. Eh bien écoutez, Croze, c'était My Last Friday. J'ai réussi à le finir, je suis plutôt fier de moi. On n'a pas trop galéré sur les énigmes. J'ai rien compris à la fin. Je pense que on avait rendez-vous à 19h30 pour certainement tuer un élève de, je sais pas, de promo, c'est ça? Je sais pas. C'était très bizarre, très confus, mais ça me plaît. Le jeu est totalement gratuit, les crocs. Je vous laisse un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez, bien entendu, le télécharger si vous voulez en faire vous-même une vidéo ou y jouer bah, dans votre coin. Moi, les crocs, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait très plaisir. Bah, si vous avez apprécié la vidéo, portez-vous bien. Et puis, à très bientôt pour de prochains Horror Games. Ciao!